Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Sous TAC 609, sous Haïtien Connecté ou dans l'émission Mon Éditorial avec Yannick. Maintenant, bonheur, bonheur, divorce là annoncé entre PHTK et gouvernement Ariel Henry. Et y aurait été quoi, plus gros problème pays, plus gros abcès pays, c'est secteur démocratique et populaire. Restez là, je vais vous donner tout détail, toute information dans un petit moment. Moi, passé, Izo, chef gang village de Dieu, t'es décidé pour le prendre paquet Port-au-Prince d'assaut, avocat, commissaire, juge, greffier, huissier, tout pété courir voler mi bay paquet. Et bien, fois ça, c'est tout nèg 400 marozo yo, l'homme sans jouer avec bandli yo même yo décidé pour yo rentrer dans paquet quoi des bouquets pour yo mettre la tête en bas. On va raconter toute information ça dans un petit moment. Déjà, si vous faites tomber sur channel là, m'a invité ou abonner, toujours songez à activer la cloche notification quand ça va prêter connecté. Un grand merci à chaque ami, chaque fanatique plateforme, nan, chaque fanatique émission qui choisit rester connecté, qui choisit là avec nous pour venir prendre bon gens information sur ce côté niveau immobilier. Nous parlons pas les pays, nous parlons faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Question à poser avant même nous rentrer dans l'émission pour aujourd'hui. Hein? Qui sont pensés qui fait gang en Haïti senti au puissant comme ça, chef de gang yo? Qui ça d'après ou même qui fait nèg yo senti yo puissant? Yo paré pour yo défier la police, yo paré pour yo défier la justice, yo paré pour yo défier même autorité qui soit disant là pour établir l'ordre et discipline en dedans pays. On nous garde bien. Dimanche, l'homme sans jouer avec Bandli, yo décidé de rentrer dans l'église, mais yo assassiné inspecteur Reginald Lalo sous l'église. En dans l'église, qui réponse qui baille? Qui ça dit, qui ça fait? Ça pas suffit pour eux. Yo décidé de yo al attaquer, pas que quoi de bouquet, mettez du feu là-dedans. Bon, tout carrément. Là ouais, on groupe gang, on groupe bandit. Yo font premier forfait. Pas gagne disposition qui prend pour repousser nèg yo, pas gagne aucune disposition qui prend pour sanctionner nèg yo, pour punir nèg yo. C'est tout normal pour bandit en prend plus confiance dans tête li. C'est tout normal pour bandit en prend plus confiance sous zamni, sous puissance de feu le gagner. Donc là, ou pral joindre un groupe gang qui mette dans tête li puissant, li très puissant, et c'est comme ça yo pral commencer ba la police problème. Le nèg 400 marozo te commencé, c'est ton petit poignet. Si à l'époque te gon disposition qui te prend vraiment pour nèg yo quoi pe gang 400 marozo, jodi on s'en gen là comme groupe terrorisant dans pays, pas existé. Et si France LB à l'époque li pas admettre que nèg yo te mette le dehors dans santo, jodi on comme chef de la police, France LB t'a prend toute disposition qui gagne pour stopper, pour couper gang 400 marozo dans quoi des bouquets dans plein temps. C'est vrai, pas dit quoi des bouquets vaste. Mais quoi des bouquets, il reste une zone même avec toute zone. Il reste une portion de territoire en dedans pays d'Haïti. Que la police avec ça nous gagne comme l'armée là, yo sermenté pour yo protéger, yo sermenté pour yo protéger chaque grain monde qui a vive dans territoire donné. Mais jodi là, on nous garde la réalité en face. En pile fois pour poser tête. Il y a des monde qui pose une question. Est-ce que je dis nous pas ouais li plus facile pour nèg yo bay policier ou bay la police lord leur onti manifestation qu'a fait là pour aller vider gaz lacrymogène, pour aller vider de l'eau grattée, pour péter balle sous manifestants qui a pour revendiquer changer la vie, qui a pour revendiquer au besoin de travail, qui a pour revendiquer faut que saute dans chômage au lieu que yo prend disposition de la CSPN non pour yo passer policier au lord pour yo mettre opération campée, mission d'intervention campée pour aller rentrer dans fief bandi pour yo porter une solution avec problème grande criminalité qui gagne dans pays.
question gang 400 marozo ça, question ISO, question GPEP, question G9. Mais nous pas qu'à vivre en dedans au pays, dans mi-temps, n'a vivre en société et puis c'est gang qui fait la loi. Jodi an la, on moun pa ka rentrer peigné pour doit rentrer peigné dans basité l'homme ou bien on sorti peigné dans basité l'homme pour sorti sans nèg pa poser question. Et faut que connait, faut que connait soit réglé. Ou on ti machine la, faut que connait ko to acheter, y a kidnapper pour faire l'argent. C'est réalité ça, n'a vivant dedans pays et puis c'est même Ariel Henry ça qui décide aller dans tribune Nations Unies pour la dire que PNH n'a autosuffisant pour la dire que gouvernement li a prend toute responsabilité, li a pas besoin force étrangère. Il a pas besoin coûte mais pas bon côté communauté internationale, il a pas besoin coûte mais et pas bon côté et Conseil de sécurité Nations Unies, il a qu'à prendre toute disposition, il a qu'à protéger peuple. Mais je dis pour nous voir que gouvernement réel n'a qu'à protéger nous, au moins faut qu'il prenne disposition qui approprié. Gang a terrorisé moun, gang a kidnappé moun, gang a tué moun. Et je dis la question 400 marozo qui contrôle rentrer sud, rentrer nord pays, au moins faut qu'il contrôle elle. Ou pas qu'à sauter la malpasse pour rentrer là, pour rentrer pour dire ou pral quoi des bouquets, ou passer quoi des bouquets. Qui compte pour le passer avec qui est ce groupe nèg? Question ISO qui contrôle les rentrées sud pays ou pas qu'à passer Matissan? Mais qui paye n'a fait? Qui paye rentrée nord bloquée, rentrée sud bloquée ou pas qu'à circuler en dedans pour l'oppression? Et bizarrement, moi, je donne des informations pendant le week-end. Ce n'est pas deux, trois guerres, affrontements qui gagnent dans la zone Capitole, dans la zone cathédrale. Là. A ta green balal pour refuge dans la coupe à la nationale. N'a fait pays. Qui modèle pays n'a fait là? Avec qui groupe dirigeant? Donc je dis là, l'obga de réalité, l'obga de situation vraiment. Ou est-ce que ça, soit vivre là, li pas inquiété négio. Li pas inquiété négio parce que chaque groupe nèg qui a une relation avec moun pour le gagner exactement, nous toujours t'en. Et c'est pas menti à faire sous négio. Ou t'en député à l'gen groupe gang pal. Sénateur a gen groupe gambal machine officielle a pou utiliser pour al prendre bandi pour tes zambay bandi nèg la li nan pouvoir li gen gambal li nan opposition li gen gambal li nan secteur privé li gen gambal et ça qui doit lancer l'ordre des policiers gen groupe gambal donc c'est fini. Donc nous gon société qui gangle, nous gon société tout monde a cherché rentrer dans gang soit pour protéger intérêt yo soit pour faire l'argent facile. Qui est-ce qui a protégé intérêt société? Qui est-ce qui a protégé l'intérêt de chaque grand citoyen haïtien? Là où déjà comprendre, ou là, il y a des bois pour Dieu, des bois ballants. Donc, là où est mon nom décidé, n'importe quel lien, vle pas, vle fok li quitte Haïti, vle pas, vle fok li vende tout ça, gagner, payons 3 500 $, payons 4 000 ou 5 000 $ américains pour quitter le pays. C'est toute condition ça yo, c'est toute situation ça yo qui réunit tout facteur ça yo qui réunit qui a poussé les haïtiens pour quitter pays. Donc on vivre dans une société ou pas gen moun ka veye nan intero ou pas ka compter sous politiciens ou pas ka compter sous nèg qui sous pouvoir ou pas ka compter sous opposition politique ou pas ka compter sous autorité l'état yo ou pas ka compter sous la justice et en pile fois même confiance ou pas faire la police. Donc, dans qui société va vivre? Qui est-ce qui a protégé l'intérêt par nous? Qui est-ce pour nous compter, je dis, en Haïti? Moi-même, je dis très clairement. Je suis choqué. Je suis choqué. Je regarde une vidéo. Je regarde tout là. Je n'ai pas de petit monde qui a entre 10 et 15 ans. Qui a sorti en barrage. Gros âmes font une fois dans mes yeux. Gros âmes manches longues dans mes yeux. Côté, vous allez aller en guerre. Vous allez faire guerre. Vous allez faire face à face. Et depuis le week-end, c'est consalier dans centre-ville. C'est consalier le sous-belé. C'est consalier à terre. Enfant soldat. Donc, rien lui-même, il n'y a pas de image. Quitte l'autorité, il n'y a pas de. Parce que lui-même, tout le monde qui est à terre, il y a un passeport diplomatique. Dans des... Oui. Il y a une résidence. Dans des... Madame Petit, il n'y a pas en Haïti, il n'y a pas vivre en Haïti. Il n'y a pas comme ça, il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas comme douleur, il n'y a pas souffrance, non. Et ou kon, moi même me fait recherche sur ça que t'es gagné en 2004 yo. En 2004 t'es gon paquet en faux soldat ti moun 13 14 ans ti moun 10 ans qui gagne gros manche long nan mais yo qui gagne gros arme 20 fois nan mais yo jodi c'est même situation ça qui a reproduit et en pile fois
Gen témoignage qui dou le ou grand moun, le ou moun rencontre avec ti moun enfant soldat sa yo, yo pi violent, yo pi terrible. Parce que c'est comme si yo robot yo instrumentalise yo, al touye. C'est touye, yap touye. Ti moun nan li pa gen temps pour le réfléchir, li pa gen temps pour le discerner vrai ak faux, li pa gen temps pour le discerner vrai ennemi avec moun ki la pou protéger, le moun ki la pou garantir l'on avenir meilleur. Donc c'est ça pour autorité yo cherche comprendre, c'est ça pour nèg yo poton solution avec ATA là, mais yo pas fait. Donc l'on bon ti moun 10 ans, jodi an gen 10 ans c'est gros manche long ni pote. Et dans 5 ans. Dans 5 ans, la izo dans village de Dieu, dans 5 ans la petit la pli dans grand ravine, la x la z, c'est ça la pied parce que condition réuni jodi an, moun n'a prêt laisser avenir pays yo, ti moun jodi grand moun demain ti moun c'est avenir pays yo. Qui ti moun qui avenir pays an là jodi an? Est-ce que c'est même ti moun grand nèg sa yo, nèg ka fait politique à terre, yo al éduquer ti moun yo dehors pays yo et puis après ça dans 10 ans leur rentrer avec, yo dou ti moun jodi grand moun demain, yo vinn ba ou même génération k'ap vole, k'ap détruire société a. M'ap gade image paquet. C'est bagay terrible jan nèg yo mette du nan paquet. Donc kou nya l'on pral fait inventaire pour konnen dossier boulé etc. Bon dossier boulé a. Ça sont l'autre paire de manches. Mais jodi on se garde qui message nèg yo voye. C'est di yo di se yo chef, c'est plus autorité ou rien, c'est plus pouvoir ou prend. Moi même clair avec nous. Que le petit André Michel, Nenel Kassi, que le petit Ariel etc., etc. Que le génération deuxième, troisième, quatrième génération exale. Yo pas éduqué en Haïti, yo pas formé en Haïti. C'est ti moun ka vive dans luxe de yon pays yon yon. C'est petit tout cap kon mise Haïti à là. C'est petit tout cap vive mise Haïti à là. C'est ou même qui dans diaspora qui a envie qui veut l'état ou ta rien mais vienne montrer petit tout mais qui ça Haïti. Mais pays maman, mais pays grand papa etc. Pas capable. Tout ça c'est ou même qui prend durer souffrance ça. Mais nèg ça yo pa gen aucune appartenance avec Haïti hein. Nèg ça yo pa gen aucun attachement avec Haïti vraiment. Seul ça attaché avec Haïti, son machine officielle y a poulé, son chèque y a gagné, ses chèques moi y a touché, ses corruptions y a fait. Haïti en son pont pour nèg millionnaire, son pont pour nèg passé, mais pas gagné de sérieux qu'on politicien pral vinn vann nou la comme idéologie, pas gagné un politicien pral vinn vann nou la comme vérité qui c'est la vraie vérité. Ou supposez comprendre que nèg yo, que te nèg dans secteur privé, que te nèg ka fait politique à terre, les ap dou ti moun jodi grand moun demain, y a parlé de génération pa yo. Y a parlé de petite pa yo, y a parlé de famille pa yo parce que objectif nèg yo, c'est toujours mettre deux yo paysan. C'est diaspora après deux yo paysan ou éduquer petit toi à l'étranger parce que nèg yo pour une raison pour l'autre t'es arrivé aux États-Unis, t'es arrivé au Canada, t'es quitté paysan. Mais nèg sa ou pa jam bon chance pour petit ou vin servi pays yo non pour petit ou vin servi pays en demain pour qui ça parce que yo gen ta arrange yo génération future y a parlé c'est petit pa yo c'est petit pa yo c'est ça lié donc est-ce que n'a continuer tolérer ça non nous pas ka continuer identifier même voleur yo même gang yo même bandi etc. et puis chaque jour n'a plein nous voulons changer Haïti mais nous wè moun ki mette code nan kou Haïti ya, nous pa vle casser code là. Et honnêtement, nous on est dans ça vivre là. Moi je suis fatigué, le m'a dit l'état prend responsabilité. L'état prend responsabilité, autorité prend responsabilité. Je dis en vraie responsabilité, on qui est-ce qui pour prendre c'est peuple. C'est ou même c'est moi même c'est nous tous qui pour prendre responsabilité nous. Parce que suivre pour nèg autorité nous gen là yo confortable dans insécurité. Plus gen insécurité, c'est plus tant qu'a passé par bon côté gouvernement rien parce que population a toujours demandé au gouvernement s'il vous plaît chercher résoudre problème non et nèg yo même y a dodomeya sous problème non gardez pour eux dialogue politique j'aime gen dialogue qui fait là si nous pas prendre responsabilité nous comme citoyens Ariel nous donne des clap pour 2024 là effectivement la clap pour 2024 lui sont passé un an la calmer ndel pas régler merde qu'on a au 2024 nous en 2022 ça veut dire pour là pour 2 ans encore c'est comme si Ariel c'est ton en président élu, c'est comme si c'est ton premier ministre légitimité, etc. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et, gardez ça dans le phénomène kidnapping. Kidnapping a fait
matin, midi, soir. Et kidnapping spectaculaire, en fait. Nègre, on descend avec une machine là, et pour t'aider, lui mettez plaque officielle, lui mettez plaque service de l'État. Bon, quantité plaque qui volait. Nègre, volé plaque. Nègre, gen uniforme, la police, etc. Pas jamais gen disposition qui prend un CSPN pour yon dou, yon pral changer uniforme, la police. Pour qui raison, pas qu'a fait. Alors que, jodi an, tout groupe gang, tout bandit dans la République, gon uniforme la police, la kayo nan bifet yo pour yo faire kidnapping. On quantité plaque vole, on quantité machine, la police, machine institution, yo vole, etc. Pour qui ça, pas qu'il y a l'autre qui baye, men lis plaque qui nèg yo vole, men lis plaque qui nan men nèg bandit yo, nèg kidnapper yo. Au moins, pour nye, la population a bon idée. Imprime plaque sa yo, mette yo dans la rue, grande lettre. Et ou pas qui l'argent nous pral payer bon si nous pas ka faire mettez plaque yo et sous site sous page Facebook institution la police moi même m'a prend temps moi m'a imprimer quelque m'a mettre dans communauté m'a mettre dans zone moi au moins ça population a bon idée depuis yo ouais telle plaque service de l'État telle plaque IT telle plaque officielle non là où il a circulé au moins mon a goûté gon idée c'est plaque nègre volé ça c'est groupe ça est machine groupe kidnapper ça est machine nègre qui fait kidnapping etc. Le ça rapide vite yo ka alerté autorité nous pas faire nous pas jamais prendre aucune disposition qui ça nous voulait me comprendre qui ça nous voulait me dire m'a dit nous n'a connivence avec bandi yo nous n'a connivence avec kidnapper yo kidnapping c'est dans intérêt nous kidnapping n'est plus bon pour nous faire plus l'argent. C'est ça pour me dire, c'est ça me doit dire parce que comportement nous c'est ça li affiché. Jodi an la faut autorité ou prend responsabilité ou assumer responsabilité ou. Donc si on échec, c'est pas seulement l'État. C'est pas seulement Henri gouvernement là qui a subi échec là. Victime échec là c'est population parce que si un gouvernement échoué, c'est parce que il pas en mesure pour porter réponse avec problème société. Donc, s'il va capoter problème avec phénomène insécurité, c'est plus victime qu'a gagné dans la population. S'il va capoter une réponse avec phénomène chômage, ça, grand goût, ça, c'est plus moun qu'a mouru dans la population. C'est plus bandit qu'a créé dans la société. Donc, que nous voulons, que nous ne voulons pas, que fanatiques, militants, défenseurs, Ariel Henry, admettent que vous fâchez, Ariel Henry, il échoue là, tout le gouvernement là. Ariel Henry échoué avec tout accord en septembre. Tout accord en septembre primature qui gagne SDP, Unité, Vérité, PHTK. Et en parlant de PHTK, moi dis nous dans commencement émission, divorce là, li mette pied. On nous prend petit mon regard, on a pour retourner avec dossier PHTK qui divorce avec pouvoir Ariel Henry. Gebon c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gagne pour nourrir corps. Réparer cellulou, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme. Bi principal li c'est produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gen pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan large. Bon. Mes amis, moi même matin me choqué me saisi. C'est choc sur choc. De pour faire politique en Haïti. Chaque matin, c'est font tité, c'est font tisane mette là pour boire avant même moi le temps des nouvelles, avant même moi nan inbox ou pour voir qui et information qui vini, qui actualité qui vini etc. Parce que dans la République, nèg ka fait politique à terre honnêtement. Nèg yo c'est mafia yo, nèg yo c'est bluffeur yo. Nèg yo plus fait politique pour enrichir poche yo, pour enrichir famille yo, zanmi yo. Au lieu yo font politique qui pour changer, pour yo venir avec des projets communautaires, des projets de développement, des programmes de développement pour yo changer conditions et grande majorité en conditions de vie population haïtienne. Nous tous depuis nous toutes là depuis 20 juillet nous t'entendé parler de Ariel Henry dans tête l'État, la prise du pouvoir. Ariel monte sous trône, Ariel c'est premier ministre. Vous voyez Claude Joseph aller puis lui-même n'est pas passé. Mais pour Ariel Henry, t'es arrivé diriger pays,
li te signé un accord avec différents protagonistes. Même protagonistes, c'est même nèg qui t'a et fait manifestation contre Jovenel. C'est même nèg ça qui te dit si Jovenel pas aller là, il va mourir. Si Jovenel pas aller après du pays ensemble, si Jovenel pas aller et pays pas jambe contre stabilité, si Jovenel pas aller pays pas jambe contre sécurité et jodi depuis 7 juillet 2021 nèg fin assassiner Jovenel Moïse. Jodi an cherche sécurité dans la République, cherche stabilité politique dans la République ou pour qu'on ka joindre nous pour qu'on ka wèl. Alors que c'est même nèg yo sous pouvoir yo, c'est même nèg yo k'a fait k'a défait et gwo accord politique pour couronner le tout. Nèg yo signé un accord politique 11 septembre. La donne gagne même pouvoir PHTK. Même pouvoir Jovenel Moïse té élu sous bannière là. Même groupe nèg sa yo ki te parrainé Jovenel Moïse al nan élection avec Jovenel Moïse, ba Jovenel Moïse pouvoir. Jodi an jwenn se même nèg sa yo ki réuni entre yo. Alors que premier ministre désigné que Jovenel Moïse te choisi avant yo assassiner Ariel Henry. Ariel Henry jodi an ki gen non impliqué, non la cité, il gen de grandes accusations pesées sous dol. Comme quoi il participer dans touyer Jovenel Moïse et voilà. Ariel Henry, le style premier ministre, peuple a dit rien. Eh bien, c'est même pouvoir PHTK ça qui te signé encore en septembre qui reconnaît Ariel gen légitimité. Eh bien, je dis, yo prend décision pour yo couper fâché avec encore en septembre Ariel Henry. Ou parle contre toute raison. Non, yon interview, Line Balthazar tap bay sou radio Magic 9. Li bay toute raison qui fait je dis, yo choisi prend distance avec encore en septembre. Et yon rete quoi jodi an? Nèg sa yo ki entoure Ariel Henry. Ariel Henry commissionné yo mete yo comme membre commission pour al dialoguer, pour jouer nou entente avec PIN, avec Montana, c'est corvé ka fait. Parce que c'est même nèg sa yo ki a côté Ariel Henry, ki nan pouvoir Ariel Henry, ki a fourré l'ouet nan manje peuple haïtien. Est-ce que yon pral bay Line Balthazar raison? Est-ce que yon ap di se voye la voye monte? Est-ce que yon ap bal tort? À vous d'en juger. Bonjour et tout est fidèle auditeur auditrice panel magique et bonjour monsieur et Geoffra, monsieur Alphonse et toutes les amis équipe technique là, c'est avec mon plaisir m'a pu prêter ma exercice là matin avec nous pour nous parler de pays. À votre disposition. Merci, bon. merci pour ça. Non, comité de dialogue qui te mette, primature te mette, il y a 9 membres là-dedans. Sous côté premier ministre Ariel Henry qui comprend participer là-dedans tout. Et PHTK te représentant dans la commission ça, dans le comité de dialogue ça? Non, PHTK pas représenté. Disons que PHTK et l'autre parti allié nous pas représenté là, nous pas gain membre là dans commission commission ça et mais ça pas c'est pas ça qui problème pour nous être présent ou pas et, mais nous pas là-dedans nous pas là-dedans ni et nous gain le sentiment que c'est plus une commission qui est gouvernementale que une commission de politique ouais. OK. Mais PHTK va diriger a toujours parti pour notre encore en septembre là. PHTK a toujours considéré comme signataire de l'accord en septembre et même nous réclamer nous de contenu accord. Mais nous conscient tout que depuis quelque temps accord en septembre là sont accord qui caduque. OK. Avant Attends. Pourquoi, monsieur Balthazar? Caduc. Oui, car on sont encore qui caduc par le fait que moun qui pouvait mettre en application, yo pas mettre en application et que la plupart de sont encore qui chita sous un ensemble d'activités qui pouvait mener long calendrier bien précis et qui pouvait finir par l'organisation des élections à la fin de l'année 2022 pour qu'il y ait installé des nouveaux élus à la tête du pays au début de 2023. Donc, pas gain aucun point l'accord qui est appliqué, ni l'en contenu activité, ni la séquence qui a été prévue. Et puis la troisième chose, à partir du moment où le premier ministre lui-même
l'adresse à la nation. Il dit, il est à la recherche d'un nouvel accord et il cite des points sur lesquels il y a un accord avec l'autre, et l'autre groupe politique. Donc, le Premier ministre a lui-même considéré que l'accord en septembre est caduc et il a comporté de, comme tel. Donc, nous réclamons nous de contenu accord, mais nous conscients que l'accord est un accord qui caduque, qui pas de mise, qui relève tant qu'on dit en anglais. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut être fait ou doit être fait par rapport à ce constat? Donc là, non, pas à partir du moment où c'est mon cap dirigé qui connaît, qui ça a fait. Moi, tout simplement constater que actuellement, nous pas gain aucun cadre politique que, qui pour baliser transition. Hein? Nous parlons constitution, nous parlons loi, nous parlons accord. Donc, gouvernement, son gouvernement qui actuel gouvernement, il a dirigé PIA sous basé sa clantette, ça fait gouvernement à vue, mais pas aucun cadre politique ni consensuel qui pour baliser action politique que gouvernement a fait. Et pas un monde qui connaît qu'il est le bralé, qui ça l'a fait, et dans qui calendrier d'exécution que le bail tête. La seule chose, c'est que accord en septembre, non, qui te prévoit baliser transition comme n'a fait ça depuis 20 plus de 20 ans, c'est ça nous toujours fait. Toute transition toujours balisée par un accord politique, nous té by tête nous un cadre politique pour baliser transition. Mais moun qui était chargé pour exécuter accord pas jamais exécuté, donc là sans ça accord caduc. Donc il n'y a pas de monde qui a parlé de accord en septembre qu'il y a, si ce n'est pour dire qu'on est signataire d'un accord qui n'est pas appliqué. Nous avons donné ce point ça plusieurs points, Liné Baltazar. En nous, d'abord, pays nous respecte. Il fait 8 heures. Bon, nous avons d'abord pays nous respecte. Regardez à vous, nous avons donné. Actualité. Parce que toujours ensemble avec nous sur Radio Magique 9, Liné Baltazar, président PHTK, organisation politique PHTK, qui a souligné pour nous là, accord et 11 septembre, que lui-même PHTK signataire et accord ça, qui était bail, ont semblant le, c'est capable de dire légitimité avec Ariel Henry, qui a dirigé le pays depuis 20 juillet, et accord ça a été signé et à partir de 11 septembre. Liné Baltazar, si vous comprenez bien, et je vais m'expliquer là, si Ariel Henry était un minimum qui était Kebel, qui c'était accord en septembre, et maintenant le bagage est encore, puisqu'on dit le caduc. Oui, parce que c'est pas accord en septembre qui fait M. Dr. Ariel Henry Premier ministre. Il était déjà Premier ministre, il était destiné à accord. Là. D'ailleurs, depuis le 20 juillet, il était entré en fonction comme Premier ministre, en remplacement d'un autre Premier ministre, parce que ça fait troisième gouvernement de transition que nous prenons là pendant
M. Ariel a dirigé le pays. Le premier ministre de Prince, c'était M. Claude Joseph, qui était déjà en déclaration. Première déclaration, le fait, il dit, un, tout le bagage sous contrôle, moi, premier ministre, on va l'organiser l'élection. C'est la première déclaration M. Claude Joseph a fait. Après ça, pour des raisons que nous connaissons, M. Ariel Henry vient premier ministre, fin 20 juillet, et tant qu'on nous toujours fait depuis une trentaine d'années, la période de transition, donc pour un accord politique formel qui balisait transition pour nous sortir de la situation d'exception, pour nous rentrer dans l'ordre constitutionnel, et à quoi ça a toujours prévoir pour faire élection dans période déterminée. Donc, à quoi en septembre, il était balisé transition pour M. Ariel Henry, pour le mettre un organe de contrôle pour le faire gouvernement qui pouvait contrôler l'action du gouvernement, il n'est pas là. Pour le faire CEP une semaine après qu'il ait fini et signé un accord, CEP avait en fait, et un ensemble d'activités pour le faire audit. Pour nous faire audit de l'ONU de pour nous assurer nous que système d'enregistrement ou bien d'identification des citoyens est valable et que nous pas bien problème la liste électorale audit l'a pas fait et puis en plus nous te prévoir pour nous faire élection à la fin de l'année à partir de décembre 2022 et nous pas longtemps pour nous faire élection en ce sens là dit que à quoi a caduque c'est à quoi ça décap dit en partie ce côté Ariel Henry c'est Jovenel Moïse président PHTK qui était choisi Ariel Henry avant de mourir mais à quoi ça c'est au monde décap considéré contrat qui était uni PHTK avec Ariel Henry formellement est-ce que ça veut dire le fait que à quoi ça je vois avec ce qu'il a là les caduques et nous protestation par rapport avec Ariel Henry au niveau de PHTK Non, c'est pas à peu près. C'était accord à te lier le premier ministre Ariel Henry avec un ensemble de forces politiques, justement, un ensemble de forces politiques pour nous ramener le pays à. Dans le PHTK que nous avons parlé avec le président là. Oui. Et ça n'a pas. Dans le PHTK, et c'est le minimum que nous avons gagné entre nous, entre des forces politiques qui étaient concurrentes, qui étaient hostiles l'une à l'autre. N'a pas oublié que accord et 11 septembre, non, il y a des mondes qui étaient en opposition à le président Jovenel Moïse qui vient signer l'accord. Donc c'est le minimum politique que nous avons joué ensemble pour nous aller, pour nous faire des actions politiques, gérer le pays sur le plan politique et surtout ramener le pays et mettre des autorités légitimes qui issues d'élections inclusives et acceptées par tout le monde. C'est toujours comme ça, c'est ça qu'on a fait. Même les pouvoirs militaires, là, quand même. Même les pouvoirs militaires, les ont monté, même après un coup d'État, ils ont le souci de faire un CEP pour ramener, pour remettre des autorités légitimes dans le pays. Que ce soit CNG de Nanfi après 1987, ils font CEP, qui bon, la 44e législature avec M. Gilbert, même si au monde a gagné, en trois mois, ils font un CEP qui bon, élection, et Mme Maniga est sénateur dans l'élection, ça. Et que ce soit et après le général Avril, l'IFONC, que ce soit tout le monde, toujours, tout pouvoir de transition, toujours bien le souci de ramener le pays et dans la normalité et constitutionnelle en faisant des élections pour mettre des autorités légitimes dans le pays. Ok. Monsieur... Donc, nous constatons tout simplement que. Gouvernement, ça a gagné un an. C'est la première fois que ça arrive qu'un gouvernement fait un an. Mais il va même gagner. Il a gagné un programme pour le faire élection. Il va faire. Voilà. Okay. Et peut-être que ça nous dit encore la caduque. Et d'autant plus caduque que le Premier ministre lui-même dit qu'il est à la recherche d'un autre accord avec d'autres forces politiques. Ok. Maintenant. Il considère pas intéressant pour lui et il n'est pas utile lui politiquement. Ok. Maintenant, il y a eu d'autres signataires de l'accord et SDP, Fusion, MTV Haïti, Unité, entre autres. MTV, SDP. On l'a dit. Maintenant, c'est partenaire là parce que vous dites c'est le minimum. Sur lequel nous entendons. Est-ce qu'il partage votre lecture autour de la caducité et de cet accord compte tenu de la non-réalisation des objectifs fixés dans ce texte?
Bon, non, moi, m'pas qu'on qui ça au pensé, mais moins, et comme t'as dit ça là, c'est moins considéré à partir des faits que accord à caduc ou accord caduc. Oui, il me prend acte du fait que accord à caduc, et accord à caduc, et nous pas qu'à dire, quand on monde qui prend pause ou pas ouais ça, ou bien on qu'a régler l'autre bagaille politique, et bah, pas où, ouais, mais dans les faits, cet accord est caduc. Ok. C'est comme si vous prend ou font championnat du monde de football ou pour une série de joueurs mettez au habit. Expliquez, notamment plus clair. Mais on va prendre des forces politiques qui concurrent l'autre force politique et pour vous mettez au comité pour négocier avec d'autres forces politiques. Non mais c'est quoi ça l'idée de côté, c'est quoi ça et Montana Fell? Mondana c'est des monde qui dans Saint-Li que il prend signataire de document là et que le mettait dans le comité a, et c'est exactement ça tout et en septembre fait. Non, moi Montana, non on va parler de 11 septembre, parler de gouvernement, pas dire 11 septembre pas gain. Moi-même pour moi au monde pas qu'à dire ou pas négocier au nom de 11 septembre. Si on parle négocier au 11 septembre, ça veut dire ou pas faire élection l'en fin année 2022 pour mettre monde en 2023. Il est impossible. Non, mais tout le monde qui a parlé non, non, en septembre, il dit c'est en septembre, le premier ministre a dit, et en septembre, il dit c'est en septembre qu'a discuté, à quoi en septembre qu'a en termes de processus de négociation avec Mondana. Pour même, c'est pas salié. Oui, non, mais il n'y a pas ça dans les fêtes, monsieur Alphonse. Donc, il n'y a pas ça. Il y a des gens qui signataire à quoi en septembre. On connaît que signataire à quoi en septembre. En ce sens-là, il y a une après initiative politique. Il y a des gens actuellement qui signent un accord en septembre, qui l'ont initiative politique partisane, mais ils prennent un chapeau en septembre. Mais accord en septembre non, n'est pas d'application. Les délais d'application finis, c'est ça l'endroit les forclos. Les pour te faire bah ils ont pas fait yo. Donc, nous pas qu'à parler de nous allons négocier au nom de 11 septembre. Est-ce que ça veut dire prendre distance ou PHTK prendre distance par rapport à l'initiative ça et partenaire qui n'a encore en septembre, signataire ou dit à faire et dialogue là? Non, PHTK n'a pas rentré dans aucune activité bluff qui n'a pas marché et qui plus semblait activité de marketing politique qu'autre chose. D'autant plus que les gens qui ont fait ça, c'est des gens qui ont des têtes des pouvoirs que yo pa gagnent, yo considéré tête yo même comme pur sans tache, c'est yo konn sa bon pour tout le monde, yo décidé que pour le moment le PHTK c'est l'ennemi historique, pour le moment c'est PHTK qui est l'ennemi historique là, puis devant c'est pas la Valas qui est l'ennemi historique, après ça il va le faire petite Dessalines vient l'ennemi historique. Et comme yo songe que après 35 ans son petite Marcos qui vient président Philippine Gounia, il a songé que ti Nicolas Duvalier souterrain, hein, il a dit bon, et les Duvalier sont des ennemis historiques. Donc, son série de monde qui prend plaisir pour mettre le pays à l'ambiance de guerre civile politique, après régler des conflits, il y a des contentieux politiques avec d'autres acteurs politiques. C'est peut-être ça, mais pas qu'à prendre un joueur ou mettre arbitrer un match football. Un championnat football, c'est des donc dans ce sens-là, PHT capable d'associer à aucune activité qui pas gain avenir politique. Là, ça pays a une va cap jouer avec. C'est pour nous accepter que pays a malade et que toutes les forces politiques de ce pays doivent être impliquées dans la recherche de solutions parce que nous toutes à un moment ou à un autre nous sommes responsables. Donc, nous avons responsabilité dans la faillite totale pays. Hein. Mais il n'est pas question pour une équipe qui a dit un tel baladan, le PHTK c'est l'ennemi historique. Et puis après ça, on va définir tout ennemi par où pour l'ennemi historique. Est-ce que PHTK c'est lâché la plage pour le ministre Ariel Henry là ou est-ce qu'on mise en garde dans le balai?
Non, moi, nous pas lâcher, docteur Ariel Henry, nous signé un accord politique avec le Premier ministre Henry. Nous voyons que l'accord n'a pas appliqué. Nous dit que nous pas qu'à invoquer l'accord ça encore parce que l'accord n'a pas de mise. Donc, si le Premier ministre là, il a besoin de continuer à assumer transition, l'a fait même gens à tout le monde fait les gouvernements de transition, c'est joindre un accord politique avec les forces politiques pour nous encadrer transition et puis pour nous ramener pays à dans la normalité et institutionnelle, constitutionnelle et remembrer pays à sur le plan et l'ordre républicain. Donc c'est ça, c'est ça pour le Premier ministre. Accord en septembre, c'était ce côté, soit expliqué là, pour permettre nous avancer sur plusieurs points, mais c'était tout. Il y a un partage de responsabilité, c'est un partage de poste au niveau gouvernement. Nous, ouais, et comment le gouvernement est divisé, réparti, si vous voulez, séparé entre signataires, accord et 11 septembre. Mais Pierre Chegali même dit toujours. Kembe et pas de responsabilité par le gain dans le gouvernement ça. Ou est-ce que tu as gagné? Non, si nous même nous connons un ministre qui gagne qui était membre PHTK dans le gouvernement, nous mettons cité ministre. Tout le monde n'est pas de ministre. Tout le monde n'est pas de ministre. Tu as direction générale dès que tu as l'autre poste. Écoutez, nous même nous pas fait de participation à gouvernement et nous pas conditionné appui nous à un gouvernement à participation directe nous comme ministre comme directeur général. Nous considérons que depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet PHTK pas au pouvoir encore. Mais par contre PHTK a participé dans toute construction politique pour nous retirer le pays à la situation d'exception liée à et ça, c'est des initiatives politiques sérieuses qui vous prend. Depuis après ça, c'est la président. Monsieur Balthazar. Après ça, c'est la président. Gouvernement, c'est vrai qu'il a changé avec Ariel Henry qui était choisi par le premier ministre. Mais pratiquement toute administration publique là, tout agent exécutif intérimaire, tout délégué ville, toute diplomatie, c'est PHTK. Non, monsieur Alphonse. C'est Jovenel Moïse qui t'a metté. C'est bien. Non, mes chers amis, pas. Non, non ou qu'on peut t'expliquer sur ça? Non, ma bonne, oui, non, en tout cas. Vous posez des questions qui t'aiment répondre, par exemple. Allez-y. Non, PHTK sorti l'élection 2016, il t'a gagné 38 cartels magistrats, il y a 180 cartels KAZEK, 180 cartels KAZEK qui élus. Moi, je n'ai pas de monde qui était nommé pour moi. Je n'ai pas de monde qui était élu. Donc, le problème qui est en cours, c'est que autour du Premier ministre, courant politique qui a mené action politique actuellement, c'est des gens qui sortent à l'élection, qui n'ont pas élu. Et c'est peut-être ça, ils sont hostiles à tout processus qui vous mène à des élections. Le pays n'a pas besoin d'élection pour nous. Il a fait élection légale, il a gagné sécurité. Non. PHTK n'a pas gagné monde, pas agent intérimaire, non même. Il y a des gens qui sortent de l'élection qui est élu. Actuellement, les gens qui n'ont pas gagné. Mandat tout est fini. Mandat tout est cadre municipal est fini. Mandat tout est fini. Mandat est fini parce qu'on n'a pas fait élection pour remplacer eux. Eh bien oui, on a fait mettre agent exécutif intérimaire. Ils ont transformé. C'est une chose est de dire que. Moun, c'est non, mais c'est non, mais moi, actuel KAZEK, AZEK et magistrat qui ont gagné, PHTK a gagné, c'est l'élection qui a été sortie. Donc, si on fait élection pour remplacer, si on pas fait élection pour remplacer, on n'est pas responsable. Et me songez que sous Préval, il a fait 10 ans au pouvoir. Parce que, justement, il n'a pas fait élection sous président Préval, mais président Préval n'a pas transformé en agent intérimaire, ni pas remplacé. Donc, les des élus qui en poste, et puis, moun qui faut charger pour faire élection ou pas faire élection, ou pas qu'à dire ou pas le révoquer, m'ba dit, c'est ça qu'en tête, yo? Oui. Mais en attendant, m'dou que PHTK, pas gagné agent intérimaire. PHTK gagne des moun qui sorti dans l'élection, qui élu, et qui presse le faux pour y aller dans l'élection encore, comme AZEK, comme KAZEK,
comme magistrat pour qu'à remplacer. OK. Donc, mais ça qui certain, ça qui certain, c'est que pas gagné aucun agent, pas gagné aucun magistrat actuellement là qui est élu cap diriger pays et cap diriger municipalité côté Kéoyé parce que mandat tout fini depuis un bon petit temps. Tout ça qui là, ce sont des agents exécutifs intérimaires nommés par l'exécutif. Monsieur Alphonse, moi-même pas connaît dans qui zone, mais ça m'a demandé que PHTK gagne des cartels Kazek Azek qui t'est élu, qui sorti en élection, moi me connais bien des élus. Je connais bien des monde qui sorti en élection et pas de nommer ou de nommer. Donc, élus. Si vous voulez, et c'est ça la grande question, si des gens qui viennent signer à quoi en septembre, qui pas qu'à gagner élu, et que vous même préférez à le faire gouvernement rentrer, l'en changer Kazek, l'en changer magistral en tout pays pour qu'il y ait une base politique pour l'élection, ça sont l'autre bagage. Donc, il y a des élus. Quittez-moi deux ou trois points avec vous, M. Balthazar. Et vendredi, j'ai eu la possibilité de réaliser une interview avec un collègue, confrère Wendell Theodore, avec le nouveau chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, M. W. Stromayer. Monsieur dit qu'il est optimiste par rapport à dialogue inter-haïtien, ouais là. Qui est chargé d'affaires américain, le nouveau, Monsieur Stromayer. L'optimisme, bah, connaît, il y a plusieurs mondes qui parlent à plusieurs mondes. Moi, mon dialogue permanent avec les amis, les hommes politiques et les camarades politiques. Bon, tout le monde doit être optimiste sur ce dialogue. Même de ça qui commence, et commission qui relève les têtes, les commissions dialogue en septembre, non? Qui gagne des personnalités politiques du gouvernement qui la donne, non? Ça n'a pas aucune chance pour aboutir à aucun dialogue. OK. Tout à l'heure, on dit qu'il faut que vous discutiez. Et puis, c'est capable de participer à aucun dialogue avec des mondes qui déjà gagnent des visées exclusives. Il y a déjà d'eau, un tel pape la donne. De pour entrer dans le dialogue qu'on s'appelle du PHTK, c'est l'ennemi historique. Après, on va le passer sous l'autre cap ennemi historique. Donc, ce n'est pas dialogue qu'on va faire. Ok, tout à l'heure. On va pas appliquer, on va faire idéologie, on va pas appliquer sa clientèle, tout ça, on va remettre. Tout à l'heure, vous avez évoqué, vous dites, vous avez parlé de nécessité pour négocier ou pour discuter avec les forces politiques. Si vous avez conseillé à Ariel Henry et mon en septembre puis discuter avec des forces politiques, qui force t'appuie, qu'est-ce que vous avez dit? Non mais toutes les forces politiques sont connues, yo. Bon, la première chose, faut que tu recommencer fond dialogue avec les anciens signataires de l'accord de en septembre. Parce que moi m'exprimer publiquement me dit accord à caduc, il y a des monde qui étaient signataires accord qui ont passé directement dans l'opposition. Donc accord en septembre pour qu'on parle, les signataires de l'accord du 11 septembre c'est yo pas gain rien qui lié encore au gouvernement. Sauf peut-être monde qui ont des intérêts politiques directs qui a défendre le gouvernement, oui. Donc okay. Donc la deuxième chose, il y a toutes les forces d'opposition, il y a des monde qui signataient accord et accord Montana, il y a des monde qui pas signataient aucun accord, toutes les forces politiques sont connues. Donc si premier ministre là voulait réussir en transition après première année qui passait en gagote en va régler et donc il y a intérêt pour que il lance un réel et dialogue politique avec des forces politiques pour entendre nous sous qui gens pour encadrer reste année transition critère. OK. Et vous rappelez nous que c'est première transition parce que là généralement les transitions là car n'ont pas dépassé 2 ans. OK. Et pour lui ça fait une année déjà le Paris Grand. Et maintenant monsieur Balthazar et certains acteurs ont indiqué là certains des signataires comme accord du 11 septembre et à parti politique ou à mouvance politique ou à et y a toujours associé massacre et renforcement gang et corruption et y a toujours associé deux présidents, le président M. Martelly, le président M. Moïse et pour c'est un passif ou pas? Non, Monsieur Alphonse ou Monsieur Geoffroy Alphonse. On nous fait la part des choses entre et les faits et dénigrement politique. Ouais.
Oh, et renforcement gang ouais j'ai moi gain moi gain devant là on communiqué de commission interaméricaine des droits de l'homme qui datait de novembre 2001. En novembre 2001, y'était déjà Commission interaméricaine des droits de l'homme t'a fait sortir un communiqué parce que il y a des bandes armées qui t'a menacé la vie de monsieur Villes Aliza, Simon Saint-Hubert et Serge Bordenave et Pierre Espérance en 2001. Donc qui c'était bandits illégaux qui t'a gagné en 2001 t'a menacé vie moun capé et moun ki l'endroit humain sans sérieux. Non. Attendez. Là où ap dit monsieur qui avait en 2021 en motion. Pardonnez-moi une seconde. Et les activités criminelles sont inhérentes à toute société. Là nous sommes dans un cas, il y a un verbe que peut-être vous attendez m'a pour dire encore, renforcer les gangs. Et en 2001 et aujourd'hui 2022, il n'y a malheureusement absolument aucune commune mesure par rapport à renforcement gang yo matériel yo et ça a fait dans dans pays. Non, et monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy m'a fait remarquer tout simplement que implication politique de groupes armés dans la politique haïtienne ça remonte, ça gagne passé 25 ans parce que m'a rappelé nous tout simplement que et 1996 les assassiné la policière Marie-Christine Jeune. Qu'est-ce qui t'est fait? Ton groupe armé qui t'est fait dans Cité Soleil, tout le monde connaît qui est ça. Donc les en 2000 premier attaque gang qui fait et la guerre des gangs qui fait Antibois et Grand Ravine, c'est en 2000 il fait 2001 sous René Préval. Donc l'implication des groupes armés dans la politique sont bagaille qui constant la caïno. Malheureusement, c'est son pratique politique la caïno impliquer des groupes armés dans des activités politiques. Qu'on y a là, nous créer un monstre. Les familles politiques confondues. Toutes familles politiques confondues, nous participer à créer ça. Donc Koukouniya n'a gagné des monde qui a fait comprendre que c'est les gangs commencé à partir de 2010, c'est faux. Depuis en 1994, 95, 96. Les capacités ont renforcé ces dernières années, ça c'est un fait. Les capacités ont renforcé parce que puis il y a l'État vient de plus en plus faible, et que nous-mêmes tout gagne l'autre activité criminelle qu'a fait. On reconnaît les faits. Mais pas nous on a fait comprendre que c'est PHTK, c'est Martelly, non, c'est pas vrai. OK. Mais ce sont les ensembles. Oui, bon renforcement et nous devons lutter contre ça. OK, c'était le verbe renforcer, mais content qu'on souligne lui. Maintenant, il faut lutter contre ça. Maintenant, dernière question pas maintenant avant de remercier vous et souvent on parler avec nous ici à ou toujours dit que compte tenu de longue expérience nous fait après transition 1986 là, faut nous toujours chercher des terrains d'entente minimale et où t'es indiqué après caducité, en tout cas après renvoi au Parlement ou bien caducité du Parlement, que c'était le président Moïse qui avait besoin de l'accord politique. Me songer formulation ça. Oui. Mais à l'époque, ce conseil-là, et si j'ai bien compris, n'a pas été suivi. Et au plan politique, il y a eu des expériences qu'on a vues là. Maintenant, en dépit du fait que se dit là qu'il y a eu tant d'animosité entre PHTK, Parti politique roi et des moun SDP pour ne pas les citer, et vous êtes associé dans l'accord et du 11 septembre. Du 11 septembre. Oui. Maintenant. Aujourd'hui, avec toute sa nuit là et intellectuellement, je crois qu'il y a une certaine honnêteté en disant que ça n'a pas vivre là, ce sont les familles politiques confondues qui banon là, avec cette reconnaissance que les gangs se sont renforcés, mais qu'il faut les combattre. Et merci parce que intellectuellement, on reconnaît ça et pour nous. M'ta aimé garder avec vous l'avenir.
et j'aime ouais bagaille la partie là j'en décrit là c'est comme si m'tadou il y a des gens qui sont au pouvoir qui ont des postes et qui font semblant ou qui feraient semblant de vouloir trouver un accord politique qui voudrait négocier et dans le contexte de sécurité aggravée dans le contexte de grand goût enragé ça quels sont les risques que cela débouche sur des heurts sociaux et sur des convulsions et politiques qui pourraient être regrettables et encore plus pour le pays? Bon, les risques plus grands, c'est bon. Mettez qu'on a dit que c'est le président Jovenel qui a besoin d'un accord. Bon, Mabdil et jeudi à la Premier ministre Ariel Henry plus besoin d'un accord politique que président Jovenel, parce que lui-même n'est pas élu. Donc c'est son accord politique pour le jeune qui vous ballon légitimité pour autoriser le fait des choses jusqu'à ce qu'il transmette pouvoir par des élus légitimes. Donc il plus besoin accord côté président Jovenel t'a dit mais lui m'a fait ça me pas parler lui-même il pas faire ça. La deuxième chose c'est que nous avons l'impression que et monde qui a dirigé yo pas vivre dans le même pays avec. Et c'est tout malheureusement c'est toujours comme ça, toujours vivre en bulle, y a pas ouais problème insécurité à même avec nous, y a pas ouais que gain des entreprises qui a fermé, y a pas ouais que conteneur qu'on pas qu'à sortir l'emploi pour aller dans une destination, y a pas vivre ça, y a pas ouais que gain monde qui a perdu emploi, gon menace que l'abadi fermé, gon menace que coréen yo fermé entreprise yo la gen moun nan chômage. Donc nous gen l'impression que moun k'ap dirije yo pas conscient de ça. Non seulement et l'autre problème et inflation, la vie chère, dollar sous chaque dollar on malheureux haïtien joine banque centrale prend 14 gouttes sous li, gon différentiel qui entre ça va j'ai prend dollar dans mon an et va acheter là. Donc c'est autant de bagages qui font sembler que moun yo kap dirije a yo pa vive dans même pays yo pa pe yo l'ambule alors que pays réel a échappé yo. C'est ça que le risque d'enclatement. OK, risque d'enclatement. Maintenant il y a ici deux entités qui fait decision makers. Il y a un peuple là et Noël pendant dernière décennie ça yo la communauté internationale. Et comment ouais et deux acteurs ça y est dans les prochaines semaines, prochains mois. Et monsieur Balthazar, c'est bon, vraiment dernière question. Bon, moi-même m'a tout simplement fait référence à un article que me délit la Nouvelliste du 12 juillet, une déclaration que monsieur Barnes Nichols fait, il dit gouvernement ça qu'il a il n'est pas là pour le perpétuer tête lié au pouvoir, il est là pour le créer conditions pour que gagne élection pour transmettre pouvoir à des élus légitimes. Ça veut dire que les gens de la communauté internationale, qui eux-mêmes, c'est principal, pour le gouvernement, eux-mêmes, ils ont commencé à suspecter que gagne des mouns, l'entourage, premier ministre, là, qui pas gagne leur objectif pour transmettre pouvoir à des élus, ils ont gagne leur objectif de perpétuer tête au pouvoir, c'est ça que fait gain des monde qui a prend pause, il a négocié, il a cherché accord alors que au fond, il y a pas des accords mais il y a pas rendu compte que le pays est en état de au bord de l'explosion, pas gain gaz, gain grand goût, pas gain et ça peut exploser à n'importe quel moment, même si m'dé l'emplacio, m'ta négocier sérieusement pour que premier ministre là joigne un accord politique pour baliser restant qui retel s'il veut faire transition et s'il veut aussi gagner une transition qui réussit. Merci un pile, bonne journée monsieur Balthazar. Merci et Radio Magic 9. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remé pays et puis on agit. Mon éditorial entre désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick là, même voix.